Coucou tout le monde, donc on se retrouve, je vais vous faire la vidéo des lots concours qu'il y a à gagner du coup pour les 1500 abonnés. Donc la première gagnante, alors c'est différentes choses que j'ai eues chez Action, chez Nos surtout. Donc je vais vous présenter donc un petit carnet comme ceci. Il faudrait que j'enlève les prix en même temps, ça, sinon je le ferai après. Donc un petit carnet comme ceci, Kaisercraft. J'ai mis un tampon fleur comme ceci, un tampon que j'avais eu en cadeau chez Variation Créative, donc là c'est sur Berlin. Un tampon clear Casey Art comme ceci, un autre ici et un autre comme ceci. J'ai mis un lot de die cut Artemio, voilà, donc tous les die cut ici. J'aurais dû commencer par le fond, c'est pas grave. Hop, donc ça. Un dies étoile comme ceci, de la marque Tonic Studio. Alors, je vais prendre ce qu'il y a dans le fond. Un pochoir Arbarium Marlène. Voilà, comme ceci. Hop. Une création que j'ai fait il y a déjà quelques temps sur ma chaîne avec une palette. Voilà. Je vais la mettre ici. Un petit masque beauté. Des embellissements en résine que j'avais eu chez Cultura. Des demi-perles, des polaroïdes avec différents thèmes dessus, des découpes bois comme ceci, des crayons de couleur pour faire tout ce qui est chevelure dans le coloriage. Ici, donc il y a un crayon plus deux néocolores que j'avais pris également pour vous. Un washi comme ceci qui va avec les die cuts. Un tampon Carabelle Studio comme ceci, un dies rose ici. Donc ça, c'est toujours pour le lot numéro 1. Donc j'avais mis également un feutre permanent marabout, également une poudre à embosser Easy Ink bleu. Donc également une aquarelle liquide marabout, une peinture Amsterdam, donc violette, pas violette, turquoise, des attaches parisiennes avec des petits renards de chez Rayeur. Un tampon comme ceci, Artemio, avec le paresseux, voilà, comme ceci. J'ai mis également des étiquettes de Project Life, voilà, ici, de différentes tailles.
des die-cuts sur le thème été. Voilà. Des petits embellissements Baby Girl de chez Artemio. Du peel-off de chez Dovecraft, donc avec Happy Birthday. Voilà. Un cachet de cire. Des petites paillettes comme ceci. Hop, hop. Et ici. Et je vous ai mis, j'ai mis deux tampons, voilà, de chez Globeland, que j'ai eu en partenariat. Donc ça, c'est le lot numéro 1. Donc, j'espère que ça vous plaira. Hop. Ça ne va pas rentrer, je vais juste mettre lot numéro 1. Le lot numéro 2. Voilà. Donc, à peu près la même chose. Idem, une palette que j'avais fait en mix média. Un pochoir Art by Marlène. Voilà. Un tampon de chez Globeland, un tampon Creative Expression, voilà. Ici, j'ai mis le tampon Prague que j'ai eu chez Variation Créative. Pareil que le premier lot, les tampons Casey Art. Voilà. Des découpes bois Artemio. Comme ceci. Un cachet de cire. Un pochoir Carabelle Hibou. Donc là, une poudre embosée Easy Ink de couleur un peu verte. Une aqua verte de chez Marabout et une peinture Amsterdam turquoise. Voilà. Des cartes donc de projet Cloud comme le lot numéro 1. Le petit carnet. Voilà. Tampon de chez Carabelle, des indies comme ceci, le peel-off, donc là celui-ci c'est Happy Fête des Mères, Fête des Pères, voilà, trois crayons de couleur métallique comme ceci. Je sais plus. Donc là, un feutre permanent Marabout. Des comment tempo, de la résine décoration de chez Cultura. Des découpes bois de chez Cultura. Également le crayon ici avec un néocolor dedans. Il y a les petites perles ici et un masking tape comme ceci. Donc ça, c'est le lot numéro 2. Donc j'espère que jusqu'à présent, cela vous plaît. Le lot numéro
3. Nous sommes déjà à 3 gagnantes. Donc, tampons de chez Globeland. On retrouve les mêmes tampons de chez Casey Art que j'avais eu. J'ai un tampon Creative Expression ici. J'ai un cheveu, je savais bien que j'avais un truc. Un autre tampon de fond comme ceci. De chez Crealia, des petites tranches de citron. Du peel-off, alors là c'est Fête des Mères, Fête des Pères. Un dies comme ceci. Des découpes calques de chez Artemio. Un petit tampon de chez Carabelle. Des découpes bois comme ceci de chez Cultura. Toujours le petit carnet de chez Casey Art. Avec, même punition que les deux autres, des cartes de Project Life. Voilà. L'aqua de chez Marabout en bleu comme ceci et la peinture Amsterdam, donc pareil en turquoise ici. Donc un cachet de cire avec des petites paillettes, un crayon permanent Marabout et également le crayon et le néocolore ici dedans. Donc ça, nous sommes au niveau numéro 3. Comme ceci. Là, je peux fermer la pochette. Comme ça, c'est impeccable. Le lot numéro 4. Donc, un tampon de Globeland, le marqueur de chez Marabout, on a des autocollants de chez Artemio, des découpes bois de Cultura, donc les tampons Casey Art. Le tampon comme ceci de chez Artemio. Le Casey Art ici. Des cartes de Project Life. La peinture aqua de chez Marabout. Donc la marron. Et également un néocolore ici. Qui est dans sa petite boîte. Eh bien, du coup, je vais mettre ma petite. Non, on va pas couper. Donc, ça, c'est le lot numéro 4. Avec également les brushes métalliques Paint, ici, couleur violet et rose. Donc là, nous sommes au numéro 4. Donc, déjà 4 lots. Et un tout dernier lot. Donc, il y aura 5 gagnantes. Le pochoir d'Iber Marlène ici.
un tampon Globeland et du papier fin pour faire du hard journal de Harbin Marlin. Donc voilà, ça c'est le lot numéro 5. Donc pour ce concours, il y aura 5 gagnantes. Donc j'espère que ça vous plaît, que les lots vous plaisent. J'ai essayé de faire de mon mieux pour au fil des mois vous trouver des petits cadeaux sympas. Donc et ben, quand vous aurez cette vidéo, donc pour le concours des 1500 abonnés, il y aura 5 gagnantes. Voilà, j'espère que cela vous plaît. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye.